Et salut tout le monde! Salut! Le psychopathe pirate est là! Donc nous revoilà sur cette map de New Providence Mindplay épisode 2! Yeah! Hey. Alors on était resté sur notre petit. Notre, non. La petite énigme de la map. C'est pas vraiment une énigme, il faut juste trouver. Ouais, faut juste trouver quoi, moi. Hein. Donc on a pris le pont couvert, là, comme on nous le disait. Et là, il nous disait sur notre gauche, prenez la deuxième arche. Alors c'est un peu mystérieux. Et je te bouffe dans les oreilles. Ah. Donc je sais pas, on va prendre à gauche. Ouais, voilà. Alors j'aimerais dire quelque chose. Avant de tourner, j'ai juste un peu regardé les alentours du pont. Et il y avait des noms. Je me disais que les noms, ils paraissaient vraiment super naturels. Et j'ai cherché. Et en fait, c'est des noms de pirates qui ont réellement existé. Là-bas, il y avait une maison de je sais plus quoi, Dave. Excusez-moi, mais moi je m'y connais absolument pas en pirate. Et en fait, c'était un pirate de. Juste 10 secondes, je crois que j'ai trouvé l'arche. En fait, l'arche, c'est l'énorme truc. Ouais, bah, c'est classe, c'est beau. Wow. Et donc, donc, je me suis mis à chercher 2-3 petits trucs. J'ai trouvé une maison juste à côté du pont, hein, toujours. Une maison qui s'appelait la maison d'Anne Dieu le veut. C'était une des premières pirates femmes. Et franchement, moi, j'étais bluffée. Ils sont allés jusqu'à faire les maisons, faire en sorte que les maisons appartiennent aux grands pirates. C'est dingue, ça. Ok, donc voilà, sur cette petite explication, comment on pourrait dire, historique. Je suis tout en haut. Je viens de. En fait, il y avait écrit dans l'énigme la maison qui surplombe le port. Ben, je suis allé à la plus grosse, la plus haute. Et chez le capitaine James Quash. Ouais, j'avoue qu'elle est pas mal. Hein. T'as la clé? Ouais, j'ai la clé. Ok, vas-y. Ah, y arrête. Sérieux? J'ai rien fait? Non, t'as ouvert la porte en me tapant, c'est tout. Alors, c'est toi le nouveau? Attends, alors. Je sais pas qui est. Alors, c'est toi le nouveau? Tu vois ce navire, il nous sert à écouler les cargaisons pilées. Mais il y a des voleurs dans nos rangs. Il faut que tu retrouves les 4 stacks de silex manquants et que tu les apportes dans les cales. Oula. Où sont les silex? Sûrement dans ce quartier. Oh génial, on va explorer des maisons. Ok, bon allez, ça. Voler. Attends, je monte déjà à l'étage parce qu'à tous les coups il doit y avoir des trucs. Chambre d'Emily Quetch. T'as pas un autre levier? Non. Ouais, ça sera dans la suite. Ouais, ça sera dans la suite. Bon, il faut qu'on se fasse tous les coffres de toutes les maisons. C'est parti. J'ai trouvé des graines, un rotten flash, je sais pas ce que c'est. Flèche. Une rotten flash, c'est la bouffe de zombies, c'est ce que les zombies drop. Bon, on se sépare et puis après on se retrouve. Ouais, allez, moi je me fais une maison. Comme ça, voilà. Oh. Boum, boum. Oh, j'ai du cuir. J'ai trouvé chez le malheureux I Play For You. I Play For You, c'est un youtubeur. Marrant ça. Oh, il y a une cale chez IP4U. Ah, il y a des araignées! Les araignées dans la cale! Oh, j'ai peur des araignées. T'as peur des araignées? J'ai pas d'arc. Je vais devoir les affronter comme un barbare! Allez! Ah, le mec qui affronte une araignée, c'est énorme! C'est une action épique! 2 araignées contre moi! En plus, il y a plein de monstres. J'espère qu'il n'y aura pas de creeper, j'aime pas les creepers. What the fuck? Pardon. Bah, de toute façon, en plus, il en fallait pas trop pour la map alors, hein. T'as intérêt à être doué, hein. Où est l'araignée? Ah! Elle m'a pris par derrière! Elle s'est cachée, elle m'a pris par derrière! C'est une araignée ninja! L'araignée ninja! Ah ouais, il y a un squelette qui me regarde à travers une porte. Ah tiens, nickel! Alors, voyons, je trouve des trucs, j'ai trouvé un. Glistering melon. Ah bah, un melon. Hein? T'as trouvé un melon en or? Bah, glistering, je sais pas ce que ça veut dire moi. C'est un melon en or quoi. Ok. Oh cool, t'as trouvé un melon en or, j'ai envie. Bon, allez. Bah, je sais pas, il était comme ça. Je vais tuer le squelette. Waouh, crève. Voilà. Bon, et si tu m'aidais plutôt que de faire genre le Yamakaki? Bah, moi je cherche de mon côté en fait. J'ai encore trouvé des poissons là. Putain, je vais bientôt. Oh, j'ai trouvé une épée en fer. Ah, tiens, mince, tu files. J'ai trouvé une épée en fer. Elle est à moi. Mon épée en fer, elle est à moi. T'as rien du tout, hein. Mais c'est une épée en fer. Ouais, j'ai plein de trucs, moi, t'as. Il y a un accès à une mine, mais j'ai pas envie de griffer pour aller dans la mine, ça doit être plus tard.
Mais j'ai pas griffé, hein. C'est juste que j'explore et je trouve les coffres. Il y a un bloc de... Ok, un bloc de bois. Comme ça, là, vite fait. D'accord, un bloc de C'est bois. bizarre, si la porte elle est ouverte, t'es pas allé dedans? Quoi? Je sais pas, il y a... Non, bah non, il y a du steak. Il faut regarder dans les fours, hein. Oui. Depuis sa terrible défaite, il ne fait que pleurer dans sa chambre. Pauvre Ripley. Bon, je connais pas très bien Ripley for You, donc du coup, peut-être que ça fait. Ça fait Peut-être qu'un jour, référence. peut-être que ça fait référence à une de ses vidéos, mais franchement, j'ai juste regardé d'autres vidéos facilement. Je ne suis pas un grand fan d'Ripley for You. J'ai découvert grâce à Clank Zonic Prod, un mec qui fait des speed art 3D. Ah c'est Oh, classe une ça hache en bois. les speed art 3 et ça c'est sympa. Ouais. Bah d'ailleurs je vais essayer de vous en faire. Bah Si ouais, carrément. Vu que je sais pas si vous savez, mais Lucru, c'est un grand bah amateur s'ils de ont jeux regardé vidéo. la présentation normalement ils l'ont vu. Enfin bon, Ah bah oui. c'était ma première enfin ma première animation dans Minecraft parce que j'ai déjà fait des modélisations de voitures tout ça. Mais là donc c'est vraiment une une animation. Ouais non j'ai déjà vu ça. Une animation que je vais faire là. Dépêche-toi! Ah Non non arrête ça arrête ça. J'étais Putain t'es derrière pas toi, mais tu sérieux t'es et pas. t'as trouvé un bout de silex alors? Non, toujours pas. Oula c'est Philippe Trapps. Philippe Ras. Bah, Ouh! Tu cherches cherche du des silex, silex? j'en ai un stack qui traîne. Je les donne si tu offres ces fleurs à la fille de connu. Ah! Ah C'est d'accord. une quetch! Oh il y a plein de fleurs et en fait on doit les offrir à tous les coups. Et j'ai le levier. Tu prends le levier, je prends des fleurs. Mince, je voulais prendre. Bah, j'ai le levier. Ah, oh, tu l'as pris avant. Emily Quetch. Donc il faut qu'on retourne et après on va avoir. Attends, je cherche là-haut, il y a des trucs. Mais non, t'es sûr? Bah oui, il y a des trucs là-haut. Ouais, mais on peut rien gagner, je pense. Ouais, non, il y a rien. Allez, j'arrive. Je te suis. Alors, chambre d'Emily Quelch. T'es où? T'es où? T'es Bah, où? dans la maison de Quelch là. Ouais, dans la grande maison Et donc des j'ai Quetch. ouvert et là je suis en train d'arriver dans la maison de, enfin dans les appartements de Emily Quelch. D'ailleurs, je voulais aussi me rectifier un truc, mais c'est pas vraiment rectifier, c'est juste dire un Ah, truc. ah. Oh, Sur qu'elles sont le. belles. Je vais lui rédiger un petit mot. Peux-tu lui remettre discrètement? Mon père ne doit rien savoir. Tiens, prends la Oh. clé de son balcon. Merci encore. Et sur le balcon, qu'est-ce qu'il y aura? Bah, les silex. Attends, on peut aller sur le toit, je suis sûr qu'il y a quelque chose sur le toit. Non, il n'y a rien Mais sur le toit. si tu veux, hein, va sur le toit, hein, c'est ta Non, mais il n'y vie, a hein. rien sur le toit en fait. Mène ta vie, mon gars. Hein. Je voulais dire un truc, en fait, au dernier épisode, j'ai dit que Oh les non. golems avec le texture pack ressemblaient aux golems de Miyazaki, le château dans le ciel, la plus haute blabla. Mais en fait, oh punaise. En fait, je me suis rendu compte que, et j'avais aussi dit que l'Enderman ressemblait au Slenderman, et puis je me suis rendu compte qu'en fait, c'est le texture pack, je sais pas si c'est fait exprès, mais il a fait une référence assez subtile aux origines des mobs de Minecraft, c'est-à-dire que le golem de fer, bah justement, c'était inspiré de. Tu m'as... Ok, d'accord. Donc tu m'as rendu un fier service. Voici tes silex. Ouais. Yay! Oh. Clé ouvrant, je sais pas quoi. J'ai la clé. Les Ouvrant portes une des du portes de. navire. Usage unique. Ah bah oui. Il a perdu combien de stacks? Un stack? Il faut 3 stacks. Il faut trouver d'autres 3. stacks. Donc déjà, il faut que t'ailles qu'on aille ouvrir les clés des... Enfin, les cales du navire. Ouais, et donc je disais oui. Et en fait, Le San Mateo. Ouais. justement, le golem de fer a été fait en sorte pour faire une référence au film de Miyazaki. Donc, le texture pack est une référence à un film sur Minecraft, alors que le mob sur Minecraft est lui-même en référence au film. Donc c'est assez. Voilà. Voilà, donc si vous avez compris, Vivien l'historien. Non, Voilà, mais c'est simple, c'est c'est plus Darko Magician, c'est Vivien l'historien. Oui, je m'appelle Vivien, tout le monde le sait. De toute façon, vous avez peut-être remarqué que sur MCFR Raft, on a tendance un petit peu à s'appeler par nos prénoms et non pas nos pseudos. Oui, et puis de toute façon, il n'y a rien de mal, c'est plus sympa. Ça fait swag. N'utilise plus jamais ce mot. Je déteste ce mot. Ah putain, je me fais taper par un slime là. C'est quoi cette Oh, une connerie? pomme. Mais pendant que toi tu te fais taper par des cimes, moi je les récolte des pommes. Il y a même un paysan qui s'enfonce dans le bois là, comme un débile.
Tu t'essayes. Oh non, 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 bordel. Putain, il y a les creepers. I don't like les creepers. Putain de merde. Oh bah ça va, ça a pas tout détruit. Okay, hein. Pas terrible. Ah du coup on a accès au cal. Non, 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 non. Il y en a de partout. Bon bah moi là, par contre je suis coincé du coup moi. Allez. Tiens, tu veux un bloc de bouse? Oh bah attends, faut peut-être pas qu'on voit ce qu'il y a dans les trucs. Non, non, regarde pas. Bon d'accord. Bah j'essaie de mettre un bloc de bouse. Ah comment je vais faire? Attends, j'ai peut-être une idée. J'ai une idée. Bon, je vais devoir. Regarde, c'est bon. Mince, du coup, je suis coincé. Attends, je sais comment faire. Non, mais c'est bon, j'en ai. Regarde, vas-y. Saute, j'ai ce qu'il faut. Putain, il faut que je te tape ou quoi? Vas-y. Voilà. Et je veux dire aussi, et donc, même chose pour l'Enderman. L'Enderman a été basé sur la légende du Slenderman qui a créé un autre jeu qui s'appelle Slender. Et ça, je pense que tout le monde le sait. Qu'il y a un jeu qui s'appelle Slender. Ah oui, ça, si. Oh. Non, mais ça, c'est simple, hein. C'est. Oula, il y a des coffres qui ont été droppés. J'espère que rien n'a été détruit. Bon, je sais pas où elle est la cale, moi, de ce navire là. Bah, on va chercher. C'est un jeu d'exploration, mon cher. Bon, écoute, bah, toi tu fais l'exploration du bateau là, et moi je vais voler dans les baraques. Je ok, vas-y. On cherche la trouve des bons trucs. Il y en a un qui vole et l'autre qui recherche. Donc je pense pas que ce soit vers là. Attends, bah là il y a une échelle. Il y a une échelle pour descendre encore en bas. Bah tiens, il y a du charbon là. Par contre, je vais mettre des torches un peu partout. T'es là? Ouais, je suis là. Je sais pas, je t'entendais pas. Oh! Des viandes. Oh, yes! J'ai une montre. Une montre? Mais ça sert à rien. J'ai une horloge. Comme ça, je saurai quel temps il fait quand on sera en intérieur. Ok, cool, hein. Cool pour toi. Le truc le plus inutile dans Minecraft. Non, c'est chouette parce qu'avec l'arrivée de la 1.3, parce que là on tourne en 1.3.2 parce que les serveurs ne sont toujours pas à jour, enfin Craft Bucket n'est toujours pas à jour, donc du coup on peut pas tourner en 1.4, mais avec l'arrivée de la 1.4 on a des cadres et on peut mettre des horloges dans des cadres, donc du coup ça nous fait une horloge. Ah mais ça change. Une horloge murale. Il y a un mini creeper. Un mini creeper. Je te jure. Un creeper taille demi. Je te jure. Mais bon, fais-moi un screenshot. On mettra ça à la fin et on verra bien. Oh punaise, la vache. Insulté parce que t'as dit des bêtises. Mince. You run out of memory. Génial. Oh punaise, c'est génial ça. Par contre, je sais toujours pas où est le mini creeper. Il a pété ou quoi? Mais t'as pris un screenshot. Bah non, ça a fait run out of memory, j'ai pas pu. Ah, regarde quand même s'il y est pas, on sait jamais. Non, il a pété. Oui, mais le screenshot. Oh, je regarderai à la fin et on vous le mettra à la fin s'il y est. Mon cher, c'est calme. Tu vas te prendre des centaines de pages, mais c'est pas un mini creeper, t'es débile. Mais c'est bizarre parce que c'est vert, c'est. Je sais pas si vous êtes extirpé, mais on dirait un mini creeper et j'ai jamais vu ça de ma vie. Bon, là, ça commence à m'énerver là de pas trouver les 3 stacks, hein. Bah, je te propose que de faire une pause et qu'une fois qu'on a trouvé la cale, etc., on reprend et on montrera ça au public. Très bien. Eh ben, salut tout le monde et bah, tout de suite. À tout de suite. Wow. Oh, wow. Et nous voilà. Hey. Oui, parce que en fait, 2 minutes après qu'on ait fait ça, bah, j'ai trouvé la cale. Oui, donc, du coup. On sait même pas s'il y avait besoin de faire une pause, mais c'est pas grave, comme on a arrêté de filmer. Mais c'est pas la cale. Si, mais j'ai mal mis le levier. T'as une pioche? Non mais vas-y. T'as une pioche? Pourquoi il te faut une pioche? Ah je savais, non mais rien. Excuse-moi. Pose les leviers. On voit que tu fais pas beaucoup de redstone. Oh non, je fais rien en redstone. Mais c'est pas la cabine qu'on cherche, c'est la cale. Ah oui, mince. Mais non, je suis sûr que c'est la cabine. Mais non, c'est la cale. Oh, il y a de la redstone. C'est chouette pour toi, ça. Ouais. Et non, ça y est, on vous... Tiens, les cales devraient être là.
Alors qu'est-ce que tu me dis? Bon, sinon. C'est où les cales? Ouais, cale. Cale où? Bah là, je suis au cale. Tu t'as 4 TP à moi. D'ailleurs, ouais. Avec Darko, on vous prépare un petit truc. Mm-hmm. Une bonne petite map aventure, croyez-moi. Du bon, hein, j'ai envie de dire. Du bon? Ah bah oui, c'est du bon quand même. Hein. Ouais, c'est du bon. Ah. Ouais, mais ah ouais, à chaque fois qu'on en a 64, on peut ouvrir une porte. T'es sûr? Ah, c'est sûr, regarde, il y a 1 2 3, tu vois. Il y a 3 portes. Et après je vois des panneaux. Mhm. Voilà. Bon bah voilà. On a plus qu'à chercher. Hein. Et oui, donc on vous concocte une bonne petite map aventure à la bourrée de redstone. Là, je pense qu'on a déjà mis des kilomètres. Et ouais. Des kilomètres et des kilomètres là entre les énigmes, les trucs, tout ça. Avec un scénario plutôt bien qui est fait par moi. Fait par moi avec quelques références culturelles, jeux vidéo ludiques et compagnie. Enfin, vidéo ludique plutôt que vidéo ludique. Enfin bon, donc on vous mettra ça dès qu'elle est finie. Non, je suis coincé. T'es où? Ah, t'es coincé. Tu vas te noyer, tu vas te noyer. Non, parce que je... T'es toi qui dis ça. Enfin bon, donc on vous montrera ça, on vous fera une petite vidéo là, tout ça. On est en train d'en créer une. Donc, système redstone fait par Chris 91, je pense que vous l'avez deviné. Tout ce qui est livre, c'est fait par moi. Et puis ensuite, ça aurait pu être fait par aussi M91. Hein. Ouais, M91 aussi, qui nous aide beaucoup d'ailleurs. Ouais. Il nous aide beaucoup. Mais avec... Bah, c'est sûr, c'est quand même un membre de notre chaîne, alors il nous aide autant que nous. Hein. Sauf que ouais. Là, il prépare un gros projet et disons que ça met du temps, mais quand ça va arriver, ça va être du lourd. Hein. Mmh. C'est un projet qui aurait dû être fini il y a longtemps. Non, il y a pas longtemps. Hein. C'était prévu janvier. Bon, vu là où on en est, je pense qu'on a un petit peu de retard, mais bon. Ouais. Bon. Eh ben nous, j'ai du mal. On a du mal à trouver tout ça. Ah ouais, c'est bien caché. Hein. Ah. Clé ouvrant une des portes de la cale du navire, voilà. Cool. 64. Attends, j'ai l'inventaire qui déborde. T'as deux stacks? J'ai sûr que le troisième est après. Tu viens? On va ouvrir la cale. Ok, bah en fait c'était la petite maison juste à côté de la... de celle du capitaine. Donc à tous les coups, il faut regarder les maisons proches de celle du capitaine. Ouais, mais ouais. Voilà. C'est ce qu'on n'a pas fait. C'est ce qu'on n'a pas fait, voilà. Nous, on est des boulets, tu vois. C'était pas écrit non plus dans la truc, hein. T'es bien? Bah, je suis au navire, hein. Ah, tu es déjà? Oh, moi, je suis... Ah ouais, t'es quand même dans les cales, t'as un temps d'avance, toi. Ah ouais, moi, je suis dans les cales. Ah ouais, je pensais quand même que tu faisais genre, ouais, oh, tu viens. Ah, mais attends, je suis à la bourre. Ouais, on a la deuxième. Essaye. Ah non, c'est pas vide. Vite. Cookie Pound Shop. Ah, j'ai eu le lingot de fer. Et moi, j'ai eu la bouffe. Ah, la bouffe en premier. Tu disais que t'avais une épée en métal. Et bah, tu vas. Tu vas quoi? Ah, j'avais. Tu vas morfler parce que j'en ai une aussi. Parce qu'il y avait déjà un lingot et que j'en ai pris deux. Ça fait deux. Et comme j'ai un stick, tu vas mourir. Moi j'ai un lingot d'or, je peux me faire une pelle en or, mais ça va me servir absolument à rien. Je vais frapper avec une pelle en or, ouais. Je suis un ennemi mortel. C'est pas marrant, dans Good Gold je pouvais tricher sans que ça se voit trop et tout, parce que c'était marrant, mais là je peux pas tricher quoi. Je peux pas me mettre en game mode, me cheater une épée diamant et puis bye bye. Hein. Quoique dans Good Gold j'ai quand même réussi quand je. Quand j'ai découvert tout ton stuff en diamant que t'avais, c'était là. Oh punaise, mec, tu vas morfler. D'ailleurs, j'ai morflé. Hein. Enfin, oui question combat, j'ai morflé. Après, question golf. J'ai morflé. Tu m'as défoncé là. Mais... Enfin, ça s'est joué à un point, est-ce que je me souviens? Deux, je crois. Tu l'as? Non, je cherche. Il y a du vomi sur les tables, comme d'habitude. J'adore ça. Le vomi.
Non. Bibla pipi caca de MC Faircraft. C'est quoi ce gamin? C'est bon. Ah bah non. Attends, Je je suis crois que j'ai débile. trouvé un petit passage. Non mais c'est bon, laisse tomber, je l'ai déjà fouillé en fait ce caverne. Ah, d'accord. C'était juste une autre entrée, c'est tout. C'est que je crois qu'on peut rentrer. Ouais, c'est ça, on peut rentrer par le haut, par le bas et. Voilà. Je cherche aux alentours de la grande maison. Ah! Oh! Hé! Ah, Oh! t'as trouvé? Chez David Martin. Il doit forcément exister. Alors, là, il y a des fours. Donc, peut-être que c'est dans les fours, non? C'est pas là non plus. Il y a un étage. Peut-être que c'est à l'étage. Oh! Hé! J'ai deux melons en or. Moi. Ah, ça m'énerve. J'aime bien quand on fait une map aventure, on peut pas s'empêcher de se taper même si on est dans le même camp. Une fois qu'on aura trouvé tout ça, et ben on. Pas se taper. Non. Bon, je sais pas. Voilà. C'est bien, voilà, MCF Aircraft, c'est 100% ça. Donc quand on aura trouvé les trucs, on. Je Voilà. sais pas. Et puis on. Je suis d'accord. Ouais, même. Ouais, je suis d'accord. Puis ensuite on fera peut-être ça. Mais je suis pas. Je sais pas. Mais bon, on sait jamais quoi. On peut peut-être faire ça sans le faire quoi. Tu vois le genre. Ça y est, on est parti dans nos délires. Bon, chez Thomas Maquette là, ça m'énerve là. Ça m'énerve. Non, Thomas Maquette c'est juste le premier prénom qui m'est venu sous les yeux. C'est tout. Thomas Maquette, le nom juste absolument ridicule. Ouais, j'ai trouvé un coffre. Mais Trouver genre un coffre? en mode caché, sauf qu'il y a rien dedans. Cool. T'as vu, c'est passionnant, hein. Ça Et m'aide puis, beaucoup en fait. j'ai trouvé un coffre vide. Oh, un steak, cuit. Bon, là, ça commence à m'énerver de pas trouver le dernier stack, là. Je vais Moi faire le aussi. ninja, je vais le faire à la TNT, on verra bien. Oh non, 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 attention. Ouais, je dis ça, je vais faire péter tous Ne les. jamais donner de TNT à Ouais, c'est l'écrevisse. ça, je vais prendre une hache, je vais faire slash slash replace. Chest by TNT, je vais tout faire péter et puis bye bye. Slash slash replace map by TNT. Alors. Ah, c'est marrant, il y a nos amis les zombies qui vont arriver. Ah, ça passe pas si. Et je suis coincé sur un toit, c'est génial. Moi, je suis en fait, je visite chez en dessous de l'arche. Parce que c'est possible qu'il y en ait en dessous de l'arche. Fais gaffe parce que si tu me trouves, je suis zombifié. Oui, c'est ça. En fait, c'est la drogue de Minecraft. Ils ont pas. Chez Mojang, ils se sont dit. L'exploration n'est pas Ah, bonne attends, pour. attends. Tu cherches des silex? J'en ai un stack qui traîne. Je te les donne si. Ah bah non, merde, j'ai déjà lu. Énorme, énorme, énorme. Bon, ça commence à m'énerver. Bon, écoutez, moi je dis, on fait une petite pause là parce que là, je sens que ça va dégénérer. Oui, la D'ailleurs, deuxième pause dans une émission, quand même, on va oui, faire une on copie de la réfléchit. map parce que sinon je sens que voilà. Hein? Non, je rigole. Ouais. Et puis ben, on se retrouve tout de suite là. Hein. Et Ouais. salut! Ok, bon, c'est pas. Disparaît. Rush. Rush. Non, je rigole. Bon, on recommence, ça c'est de la merde. Noir Voilà. voilà! Ah, ah Et oui. on a trouvé. Ah tiens, tu. Ouais, vas-y, prends-les, c'est toi qui Prends-les, les as moi je trouvés. prends le levier. Et alors pourquoi re? Parce que à chaque fois qu'on est sur Skype avec Darko et qu'il doit nous quitter et qu'il revient mais genre une seconde après, il nous fait toujours re. Mais Et il faut dire quand même les choses, ça fait chier tout le monde. Bon allez. En fait, on est arrivé par en se baladant sur les toits. Tu Ouais. vois? De quoi? Je me la suis, je me les je ah, j'ai fait du genre Assassin's Creed pour arriver ici. Ah oui, d'ailleurs, Assassin's Creed, je sais pas si vous connaissez, c'est une map assez sympa de T'es où? saut. Bah, je suis dans les cales, hein. Ah d'ailleurs, d'accord, t'as sauté dans l'eau toi. Non, pas dans l'eau. J'ai T'as sauté où? sauté avec le boost et j'ai fini dans les barrières. En mode ouf de la vie. Je te rejoins, j'arrive. Ouais, mais Comment, t'es sûr Yamakaki? que c'est 3 stacks qu'il fallait? C'est pas Oui, 4? c'est 3 stacks, il y avait marqué 3 stacks. Ok. Je dois le confirmer, les Chris. Bon, tu te dépêches, TP-toi sur moi si tu veux, non? Non, non, ça va, j'arrive.
Ok. Voilà, j'ai le levier. Boum! Naria, je rigole, je t'ai caché en sneak. Voilà. Ouais, une cuisse de poulet! J'ai un lingot de fer. Il y a un. T'as un levier, toi? Mais non, c'est pour ça. T'es sûr qu'il y en avait 4? J'étais sûr qu'il y en avait 3. Bred Roger est. Bon, je sais pas, c'est. Mais attends, on va râler. Regarde dans ton inventaire, on pense qu'on sait jamais. Non, je... non, c'est pas ça. Putain, c'est bordel dans mon inventaire. Ouais, tu crois quoi? J'en ai plein aussi. On aurait dû aller déposer dans notre petite maison. Ah bah oui, c'est vrai qu'on a Où une petite. Vivien a fait la femme de ménage. Bon, je Enfin, tu me pense qu'il diras, est temps. le jour où on voit la femme de ménage avec une épée, il y a de quoi s'inquiéter. Je pense qu'il est temps de se quitter. Hein. Ouais. On espère que ça vous Et. a plu, puisqu'on a quand même passé pas mal de temps à chercher. Hein. Ouais, voilà, c'est pas un épisode super folichon, folichon, On se hein, dit, on va le dire. on va l'accélérer en vitesse 10 comme ça. Je m'occuperai de tout ça. Ok, bon allez, salut Salut à tous. tous!